Attends, on va voir ça. Alors, le son là, ok. Peut-on arrêter cette musique? Oui, merci. On va mettre du son là. Plus de son. Plus de son. Plus. Voilà, on devrait être bon. Du coup, c'est toi, maman, qui va surtout commenter. Ah, voilà. Faut juste que je change cette petite info. Sonic 2. Eh oui. Niveau des œufs brouillés. Ok, eh ben, le restream est prêt. C'est quand tu veux. Ok. On va laisser la petite introduction. Voilà. Non, désolé. Avec les palmiers de Green Hill en fond. Bon bah. Oh putain. Ça commence à être dégueulasse là. Ça a frisé, non? Ouais, moi du spike lag. Normalement, ça doit revenir de. Ça va revenir, voilà. T'as bien coupé ton micro, tout ça dans le truc? T'as bien mis câble input, c'est bon? Ouais. Vous me dites quand je peux. Ouais, c'est quand tu veux. Ça est lancé. À toi de jouer, maman. Alors, chez moi, le... Ouais, c'est pas encore lancé. Là, ça vient de partir. Je rafraîchis la page. J'arrive. Que passe, hombre? Il y a un écran noir, là, sur Hitbox. Ah, c'est déjà parti. D'accord, ok. Je pense qu'on a été victime d'un lag. Mais bon... C'est déjà fait, au moins que je dois recommencer, non. Bah, 30 secondes, t'as déjà fini le niveau, là, à ce qu'on voit. Moi, je peux recommencer, sinon... Ouais, ça lag. Oui, ça lag, mon cher. Ouais. Là, pour l'instant, c'est bon, là, chez moi, ça lag pas. Voilà, j'ai une minute. Je sais pas si c'est Hitbox ou... Je vais faire un pause play là-dessus. Hop. Ouais, tu veux que je recommence plutôt? Ouais, ce sera peut-être mieux, ouais. Ouais, je vais reset, c'est ça. Mais baisse vite fait ton bitrate là, genre de 100. Enlève 100 en vidéo. Putain, c'est... Pourtant, j'ai pas grand-chose, hein. Mais 100, moins 100, ça fait 0. Ah oui, bah là, si t'es à 100 déjà... Mais ouais, c'est qu'il faut laisser de la place pour la vocale, en fait. C'est peut-être la vocale qui fait laguer, je sais pas. Enfin, à cause de toi, ben... Ça reset mon timer parce que j'ai mis mon truc à 0. Merci, je suis en calme. Ah bah, tu reset tout, attends. C'est chiant. Tu rupestre pour cent. Wallpaper pour cent. De toute façon, c'est là, chez moi, ça fonctionne. J'ai aucun drop, là. J'ai eu aucun drop. Je rafraîchis le hitbox. Bon, oh, ça a l'air... Non. Au moment où je le dis, ça bloque, tu sais. Moi, chez moi, ça m'a l'air bon, là. Ouais, ça a l'air mieux, là. Mais pourtant, j'étais déjà à la base à 666. Oh merde, oups. Ah, mais c'est ouais, pour ça, ouais. Tu cherches la merde. Ouais, j'étais pas grand chose en bitrate, hein, 666 en bitrate. Hein. T'as pas me dire, que c'était beaucoup. Hein. Ah bah oui, mais si tu mets pas ce que t'as, ce qu'il faut pour ta co aussi. Voilà. J'ai pas de lag. Bon, ça a l'air bon maintenant, c'est quand tu veux, effectivement, à nouveau. Bon bah je lance, attention. Tac, c'est lancé.
Ça y est, on est parti. Ah oui, il y a une petite latence quand même. Alors Sonic 2, Sonic 2, c'est la suite de Sonic 1 sur Master System, bien évidemment. Il est pas aussi bien parce que c'est le meilleur jeu du monde, Sonic 1 sur Master System, mais il se défend pas mal quand même. Ça reste un très bon jeu de la Master System. Une particularité, c'est que c'est pas du tout la même inertie sur le personnage que dans Sonic 1. Là, il va... Sonic va avoir beaucoup plus de... va prendre beaucoup plus d'élan sans avoir besoin de plateforme ou quoi. Juste en roulant et en sautant, il va prendre de la vitesse. Donc en fait, on va essayer de rouler et de sauter le plus souvent possible, enfin, aux endroits où on peut bien sûr, pour gagner de la vitesse. C'est un jeu où il n'y a pas tant de RNG que ça. Il y a deux boss avec de la RNG, dont le dernier boss. C'est pour ça que c'est assez éreintant d'essayer de grind un PB sur ce jeu, parce que là où il y a le plus de RNG, c'est sur les 30 dernières secondes de la run. Et du coup, bah forcément, c'est embêtant. Si on tombe sur une mauvaise RNG après avoir fait une bonne run, bah forcément, ça réduit le moral à zéro. Alors le premier niveau, la première zone, elle est assez simple. C'est un décor de mine, etc. Y a pas grand chose à dire dessus, on prend les... C'est marrant de commencer de... Comment ? D'habitude dans tous les Sonic on commence un décor de verdure, de je sais pas, non ? C'est un... Oui voilà ouais. Niveau de mine. Alors que là, Green Hills c'est le... C'est le la troisième zone si je me trompe. Ah c'est Green Hills, attention à toi. Oui Green Hills. Il y a un S à la fin. On va arriver sur le premier boss. Le premier boss qui est un des boss les plus anecdotiques. De l'univers de Sonic. Je fais en blinde. Alors, attention, blinde pour cent, je vous promets. C'est très technique. Il y a moult sauts. Attention. Toujours en blinde. Je vous promets. Il doit se battre contre cette espèce de... Je sais pas trop ce que c'est un crabe poulpe orange. Non, c'est un genre de verre parce que dans les... J'ai vu quand même des sprites supprimés dans Sonic 2, on voit quand même une partie du corps qui... Ah bah tiens, c'est bon, j'ai réussi en blinde. Une partie du corps qui se détache, c'est une espèce de verre. Très bien, donc le verre crabe poulpe orange. Et attention, voilà. La capsule avec les moustaches. Voilà Robotnik qui court dans le boss. Et à chaque fois après le boss, il faut libérer les petits animaux comme dans tout Sonic qui se respecte. Et c'est la fin de la première zone. J'ai mis les capsules à moustaches. Alors Sky Hide Zone, c'est la première grosse difficulté de la run. Il y a un saut qui est super tendu, il est frame perfect, il n'y a pas d'histoire, c'est soit tu l'as, soit tu le rates. Et malheureusement, c'est ici. C'est raté pour le premier essai. Alors oui, on meurt pas quand on tombe dans le vide. Quand on est dans le vide, bah on marche dans le vide. Voilà, merci. C'est plutôt logique. Du coup, on peut revenir pour retenter le saut. Et que dans ce niveau-là, il y a du vide. Ah, je savais pas ça, tiens. Ah, bon, je pense que là, je vais prendre le Deltaplan. Que là, se taper à chaque fois le vide comme ça, revenir chercher son oignon. D'habitude, je prends jamais le Deltaplan, je m'obstine jusqu'à temps que j'y arrive, mais là, en marathon, c'est pas possible, du coup, je suis obligé de mordre sur la chic et faire un tour de Deltaplan en invincibilité, parce que c'est drôle. Là. Youpi.
Voilà pourquoi j'ai pris un peu de marge sur le timer. Delta plan. Donc le niveau se finit juste après. Voilà, du coup là, je vais me rattraper sur le niveau 2 sans delta plan. Merci mon dieu. Il est très aérien, on a beaucoup de sauts, on vole dans tous les sens. Mais tout est calculé, ne vous inquiétez pas. Aucun risque n'est pris. Ah, ce comptage de points, mon dieu. Alors, heureusement, c'est en version pâle. Hein. Ouais, ce jeu, on le fait en version pâle pour les soucis de timer. Mais en version NTC, le timer, une fois qu'on accélère le comptage des points, ça fait une espèce de bruit de sifflet de chien, c'est dégueulasse. Alors le boss de Sky et Zone, c'est un gros poulet, c'est une oie. Je sais pas où ils sont allés chercher ce boss. Mais c'est original, on peut pas leur en vouloir. Pas grand chose à dire sur le combat contre ce boss. Ouais, il y a quand même quelques petites choses. En fait, je rebondis quand même sur la droite de l'écran, comme ça, une fois que Sonic atterrit sur le sol, il reste en boule. Il va gagner quand même un boost de vitesse. D'accord. C'est pour ça que je fais un petit décalage tout de suite sur la droite pour toucher la droite de l'écran et ensuite revenir. Parce que si j'atterris sur le sol tout de suite, Sonic se remet sur ses pieds. On arrive à Aqua Lake Zone, les fameux niveaux aquatiques, il en faut toujours un. Sinon, on ne s'amuse pas. Alors Sonic, dans ce jeu, c'est comme Jésus, il peut marcher sur l'eau. C'est original, ça. Voilà. C'est d'ailleurs le premier jeu auquel on voit Sonic qui peut rebondir sur l'eau. Il y a beaucoup de trucs, c'est une bonne idée, comme les chariots dans la mine, le delta plan, même s'il y en a qui ont été traumatisés avec, rebondir sur l'eau. Des trucs vachement cool. Alors là maintenant c'est le niveau sous l'eau. Ouais, on est dans Fromage Land. Le niveau à la surface, maintenant le niveau dans les profondeurs abyssales. Ce que je tiens à souligner aussi, c'est que la version Game Gear est meilleure parce qu'on voit le niveau de l'eau qui commence à augmenter au début du niveau et qui teint le niveau d'un espèce un teint bleu, c'était joli. Là, on sait pas, on voit pas le niveau de l'eau, le niveau reste monochrome, on se croirait sur Sonic CD sur Gem Collection. Et hop, un gros coup de pied, c'était gratuit cette vanne, mais j'ai pu la placer. En même temps, elle le mérite. Alors dans Sonic, on prend pas les bulles pour respirer, on prend les bulles pour se déplacer. C'est voilà. Original. Ça, pas les véhicules. On a aussi un petit bug, ça sert à rien. Bon, voilà, je l'ai montré quand même. J'ai pris la télé avec les chaussures, c'est la seule télé avec la télé avec les godasses de Sonic qui sert à rien. J'ai pris pour le symbole. Il faut protéger le symbole, c'est important.
Alors, le boss d'Aqualic Zone, le l'otari, le pingouin, que sais-je? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a un gros nez rouge. Et que c'est là-dessus qu'on le tape. Il n'y a pas grand-chose à faire à part avoir le parfait timing. Ah si, il y a quand même des choses à faire sur ce boss. Explique-nous. Ah le décès... Ouais, en fait... on soit dans la version casu, on attend qu'il fasse une deuxième bulle. Mais dans la version speedrun, en fait... dès que l'otari se déplace... après, et après son déplacement, ben, il va quand même... ben, comment dire, là... il réussit à me choper. Et après qu'il m'ait chopé, après qu'il ait fait son mouvement, il fait gonfler sa bulle. Et le but c'est de sauter à un certain timing. Comme ça il avance et il fait tout de suite sa bulle, pas besoin d'attendre. Comme ça il fait ses bulles plus vite. Évidemment, dans le tas, il peut nous foncer dessus. Green Hills. Bon, merci. Avec la musique que vous peut-être reconnaissez. Bon, y a pas les palmiers, ils ont mis des bouleaux à la place. Ouais. Mais l'idée est là. Les petites plaines verdoyantes. Avec la musique You Can Do Anything de Sonic CD version européenne Jap. Ah voilà, ça passe. Ouais, j'ai pris quand même la casse et une rod pour le symbole. La petite Chaos Emerald, on a vu. Elle était sur ma route, on me dit pourquoi pas, allez hop. A noter que toutes les Chaos Emerald sont dans les niveaux 2 de chaque zone. Comme sur le 1 d'ailleurs. J'étais en train de réfléchir. Non. Bah, si. Non. Bridge dans. Ah non, c'est vrai. C'est vrai. Non, j'ai de la merde. Bridge. Je joue pas trop au jeu, c'est pour ça que je connais pas trop de jeu. Putain, voilà, enfin, j'ai l'air. T'as juste dit oui, et voilà, j'avais pas l'air con, enfin, j'ai juste l'air con. Merci. De rien. Bon. Alors celui-là c'est un boss où il y a de la RNG parce qu'il a trois patterns différentes et il y a une des patterns sur trois qui est... Heureusement là je suis à méthode safe parce que là j'ai... je fais... il y a... les rebonds sont quand même assez pénibles. Je préfère le toucher deux fois quand je peux. Allez,
j'ai réussi à passer au-dessus de la soucoupe, ça c'est la classe. On mange pas de pain. Et on libère les petits animaux trop kawaii. Oh, trop bien. Toujours voulu être Sonic. On arrive sur Gimmick Mountain, c'est un niveau qui me fait un peu penser à Scrum Brain sur Mega Drive, ce côté un peu usine. Dans une montagne, c'est cool, tout ça. J'aime bien l'idée. Et c'est l'un des rares niveaux aussi qui se finit sur la gauche. Je crois que c'est le seul même. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il ne peut pas en avoir beaucoup. Bon, il faut arrêter ma roulade, tant pis. Ah. Effectivement, il y a eu une petite erreur de manipulation. La roulade sur la fin qui voulait pas Never Open Before sur la manette. La faute à la manette. Ah là, ça marche beaucoup mieux. Foutu périphérique. Une musique que je trouve quand même assez cool. Et que j'en ai écouté dans ma voiture. Elles sont toutes pas mal adaptées au thème graphique. On est dans l'ambiance, quoi. Sonic VR, oh mon dieu. Je m'en Sonic VR, j'avais pas vu, ouais. Donnez à ce monsieur un cookie, s'il vous plaît. Oula, c'est pas passé loin. Ça serait cool, mais faut voir le gameplay, hein, parce que Sonic sur VR, ça doit pas mal tourner. Faut être accroché et pas avoir mangé... Être à jeun pendant 3 mois. Le couscous royal avant la run de Sonic VR, il est fatal. Hein. Et le boss cochon mécanique. Alors, ce qui se passe avec ce boss, c'est qu'il charge, et on peut le toucher que quand il charge, en fait. Tant qu'il est pas parti, le hit passera pas. Voilà, comme ça. Merci d'illustrer mes propos. Et donc le but, c'est de le toucher sans qu'il prenne... Enfin, de le toucher le plus rapidement possible pour qu'il bouge le moins possible, et du coup optimiser le temps qu'on met à le battre. Donc c'est assez technique, parce qu'il faut avoir vraiment... un bon timing. Bon, et après les pierres qui tombent du toit, c'est vraiment anecdotique, mais bon, je pense que vous avez compris. Et on arrive à la dernière zone. Ça dépend. Typiquement celle-là en VR avec les tuyaux dans tous les sens. Le cerveau meurt.
Mais sinon, vous avez Sonic Dream Collection. Oh, wait. Désolé. Je sais pas si je peux te laisser parler de ce jeu, RMZ. Hein. Nous sommes d'accord. Ah là là, la censure direct. Le saut. Moi, je parle pas des masses, hein, je vous suis, j'étais en train de manger. Pas de soucis, bon appétit. Ah, c'est justement pour ça, on a parlé de ça, on a commencé à parler de ça, je suis en calme. Tout de suite. Merde, non, pas ça. Pitié. Si vous savez pas ce que c'est un fan game complètement bizarre. Ils ont fait genre, c'était un projet abandonné de la Dreamcast et ça tourne sur Dreamcast et tout. Enfin, c'est Sonic Gerbe Collection. Oui, c'est un peu ça. Mais il y a la... comment dire, on peut faire son avatar Sonic, voilà, comme dans Limi, mais en version complètement finie à la piste. Ah, c'est raté. C'est le skip le plus compliqué à mettre en place. Il faut se prendre un hit pour que Sonic soit repoussé en arrière. Et qui rattrape la... Voilà, il a bien réussi ici. En gros, en explosant, la bombe va laisser des petits des petites particules qui font des dégâts. Et en étant touché, on est propulsé vers le tuyau. Et normalement, c'est pas du tout comme ça qu'on est censé passer. Tu parles de normalité avec un speedrun. Effectivement. C'est ma faute. Du coup, le réussir du deuxième essai, c'est plutôt pas mal du tout. Surtout que le timing est quand même assez serré, il faut quand même avancer quand même un petit peu pour venir plus avoir un mouvement de baliste sur la gauche. Le saut ne doit pas être trop grand non plus. Enfin, c'est assez chiant. Je crois que c'est le skip le plus dur du jeu. L'ascension folle. Voilà, Boons. Vers l'ultime adversaire. Donc c'est ce boss là qui a le plus de RNG, celui qui casse le plus les runs. Le Silver Sonic. Alors ce qui se passe, c'est que quand il est en boule, on peut pas lui faire de dégâts, on peut pas lui mettre de hit. Donc ce qu'on prie pour qu'il se mette en boule le moins souvent possible. Ah, j'ai entendu que ça a time. Et c'est bon. Avec, voilà. C'est la première fois dans un jeu vidéo on voit un Sonic mécanique. Et ça, c'était la classe Sonic 2 sur Master System, il y a plein de trucs. Chacun vend un peu son jeu comme il peut. Hein. Tout le monde s'en fout. Bon, on essaye quand même, hein. Faut pas nous en vouloir, les gars. Comment vendre son jeu, mais il y a des gens qui ne connaissent pas trop ce jeu Sonic 1, Sonic 2. Pourtant, il a porté plein de trucs. Et aussi, ce Sonic 2 est sorti avant Sonic 2 Mega Drive. Et ouais. Et oui. D'ailleurs. Et ça nous fait d'ailleurs une très belle transition pour arriver sur la race de Sonic Drive. À croire que tout était prévu à l'avance. Voilà. La race, merci. Là non, pour le coup, c'est pas ta foin avec Sonic 2. La race, ce sera Sonic 3 avec Knuckles. Oh, après toi, après Sonic CD. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je laisse quand même le générique de... Le ending, même si c'est le bad ending, bah, il est super classe, ce bad ending. Fais donc. Voilà. La pluie de GG, merci pour lui. Et merci pour tes commentaires, mon brave maman. Bam. Du coup, Patafon, vous êtes attendu à l'accueil de Discord. Le petit Patafon est attendu. Ah, il est dans le coin, il est pas très loin.
Vas-y, mets-lui un taze dans une peluche de taze dans un coin, il va arriver. Des pingas. Merci Link Boss pour ce petit croche-patte. C'est vrai que ça parle. Du coup, GG, décapitation. Ah, décapitation, on l'a oublié ça. Oui, là. Bonsoir. Hey. Donc, je peux lancer le stream, c'est bon. Oui, normalement, tu peux lancer le stream. Normalement, tu es sur le stream 1. Ok, normalement, c'est bon. Yeah. Il y a Chancal qui va faire le switch pour le stream. Je vais faire le switch, bah on laisse un petit peu les crédits. Voilà, bah c'est fini en même temps là. Et on va, désolé pour toi, pas de foin, mais il y a un creepypasta sur Sonic 2 comme quoi Tails serait mort. Oui, je sais, je connais cette rumeur. Par contre, il y a un truc bizarre. Et apparemment, j'ai du son. Enfin, je veux dire, sur ma capture, j'ai peut-être un son. Ah non, je suis con, c'est le stream. Ça doit être le stream. C'est le son du stream Twitch. Enfin, je vérifie, parler. Ok, ben écoutez, je pense qu'on va mettre ce petit écran de transition slash setup et on revient à vous incessamment sous peu, dirais-je. Allez, voilà. Tout de suite, monsieur, dame. Bonne soirée.